sœur Jacques Joly Essengekeli, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations du vote, même après la cessation de mes fonctions, de briguer aucun mandat aux élections en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour prend acte de votre prestation de serment. Titulaire du premier rapporteur, elle vous présente ses sincères félicitations. Moi, Carole Kabanga Koy, questeur de la Commission électorale nationale indépendante, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, Madame Mouimouzi Kinja Elise, questeur adjoint de la CENI, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence, à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. De garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. De ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. Baada inaendelea naanza kukaribia kupitia mwisho wake na wao tunaona pale wamejipanga wale watu walioapishwa na kila mmoja anawaza atakwenda kuweka sentence ya fair avant. Kiongozi wa shauri kuu na shauri kula la sheria la hapa mjini Kinshasa, na wakati ambapo wana kila mmoja anapita mbele ya meza kwa kuweza kuweka saini yake, ni kwa kuonyesha ya kwamba sasa anakubali kweli kuendelea, yani kuchangia kazi ya matayarisho ya uchaguzi ambao mnajua vizuri jinsi vile tulivyowaambia itafanyika mnamo mwezi wa Novemba kwa mwaka huu wa 2011. Basi wale wote ambao wako sehemu za majimbo na sehemu za mitaani, au pia wana memba wengine watachaguliwa sehemu za huko kwa ajili ya kushiriki katika maandalizi ya shughuli ya uchaguzi. Na
nitawakumbusha tena orodha ya watu jinsi vile ilivyoweza kupangwa hapa. Mwenyekiti wa tume hilo huru la kitaifa la uchaguzi ni bwana Pasteur Ngoi Mulonda ambaye mnamjua vizuri. Makamu wake ni bwana Njoli, Profesa Njoli, na mtu wa ripoti mkuu ni bwana Mathieu Peter Mpito. Naibu wa procès verbal de prestation de serment des membres de la commission électorale nationale indépendante. L'an 2011, le 26e jour du mois de février, à l'audience publique de la Cour suprême de justice, à laquelle ont siégé M. Kitoko Kimpele Jérôme, premier président, Tuka Ika Bazungula Théodore, président, Ngoi Mulenda Valentin, président, Bomwenga Mbangete, Bombulu Bombongo, Bikoma Bainga, Efunga Molima, conseiller. Avec le concours de l'officier du ministère public, représenté par M. l'avocat général de la République, Mikobi Minga, et l'assistance de M. Tambatsan Albert, greffier du siège, sur réquisition du ministère public, ont comparu Messieurs et Mesdames, Pasteur Ngoi Mulunda Nyanga Daniel, Professeur Joli Essengi Ekeli Jacques, Monsieur Mpita Pito Tomadia Mathieu, Monsieur Ndaye Nkondo Mulekelai Laurent, Madame Kabanga Koi Carole et Madame Muimuzi Kija Elise. Tous membres de la Commission électorale nationale indépendante, dont les désignations ont été entérinées par la plénière de l'Assemblée nationale en date du 15 janvier 2011 et investie par ordonnance numéro 11/012 du 3 février 2011 de M. le Président de la République, qui ont prêté conformément à l'article 20 de la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante le serment suivant. Moi, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour suprême de justice leur a donné acte de leur prestation de serment. De ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal au jour, mois et an que décide. Signé le premier président de la Cour suprême de justice, Kitoko Kimpele Jérôme, le président Tuka Ika Bazungula Théodore, Ngoi Kalenda Valentin, les conseillers Bomwenga Ngambete, Bombulu Bombongo, Bikoma Bainga, Funga Molima, Endala Mutsuamba, le greffier du siège Tambatsana Albert, les assermentés. Pasteur Ngoi Mulunda Nyanga Daniel, Professeur Joli Essengi Ekeli Jacques,
Monsieur Mpita Pito Tomadia Mathieu. Monsieur Ndaye Nkondo Moulekelai Laurent. Madame Kabanga Koy Carole. Madame Muimuzi Kinja Elise. Il fait un balai.